pas entendu parler des lieux hantés. Des lieux hantés, évidemment, par des fantômes. Les fantômes, qu'est-ce que c'est? Nous le verrons. On peut même envisager, au-delà du revenant, une origine extradimensionnelle, une autre dimension. Quoi qu'il en soit, les phénomènes de hantise sont des phénomènes bien réels, tout à fait objectifs. S'impose à nous lorsqu'on parle de fantômes, c'est l'Écosse. Bien sûr, il y a des fantômes un peu partout. En Europe, en Asie, on les appelle de différentes manières, même le Tupapaou de Tahiti. Nous allons, nous, rester en France. Et nous allons aborder le domaine tout à fait curieux de l'abbaye de Mortemer en Normandie. Pendant la guerre de 14, une infirmière logée là, une infirmière anglaise, et elle était mal à l'aise dans ce lieu sinistre. Et elle écrivait à son fiancé qui était sur le front. Et elle avait sa cape d'infirmière suspendue à une patère qui s'est brusquement envolée. Alors elle était un peu inquiète, elle a cessé d'écrire. Et elle est allée jeter un coup d'œil à la fenêtre, et là, dans le parc, elle a vu, sortant de l'abbaye, une cohorte de moines qui, en silence, se sont dirigés vers le pigeonnier. Il y a 4 ou 5 ans, j'avais tourné pour la télévision japonaise un film là-bas, et nous avons vécu un phénomène curieux. Le soir, avec un médium japonais, une dame, et avec mon confrère Iwao Nikura-san, qui est un parapsychologue et très 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 connu au Japon, nous sommes équipés de lampes. Le metteur en scène japonais a voulu qu'il y ait une lampe à pétrole, ça faisait mieux. Et je suivais. Alors il y avait d'abord le caméraman, l'éclairagiste, la femme médium japonaise, Iwao Nikura-san et moi, nous suivions. On s'est arrêté devant la porte de la chambre rose ou bleue, je ne me rappelle plus la couleur, tout à fait sinistre d'ailleurs, et le couloir était étroit. Alors le mouvement était de, pour Niwa Nikolasan, contourner l'éclairagiste et rentrer, franchir la porte. Alors on a ouvert la porte, Iwa Nikolasan est entré, et au moment où il est entré, quelque chose de noir, de très sombre et de bizarre, comme un énorme chien, on ne peut pas dire que c'était un chien, est sorti de là. Mais c'est sorti pas en galopant, c'est sorti en flottant, c'est sorti en se déplaçant au-dessus du sol. Ça n'était pas vraiment un animal, on n'a jamais su ce que c'était, puisque après avoir bousculé le caméraman et celui qui portait le pétrole qui s'est cassé, tout est revenu dans l'ordre. L'après-midi, nous avions visité, nous avions repéré les lieux. J'étais avec un de mes amis qui habite à Rouen, pas très loin, donc de l'abbaye de Mortemer, et il y avait Catherine, son épouse, et il y avait Cécile, l'épouse d'un de mes amis, qui est médium, elle. Et en rentrant dans cette chambre, elles ont eu toutes les deux un mouvement de recul, particulièrement Cécile, dit « Oh là là, c'est une chose très mauvaise ». Et quand je suis revenu le soir même avec l'abbé japonaise, le médium japonais, Niwa Sekura-san, quand on faisait le repérage, elle s'est arrêtée sur le seuil, et elle a parlé à Niwa et Nikura-san, on nous a traduit ce qu'elle disait, elle disait que ce lieu était imprégné d'ondes négatives, néfastes. C'est quand même curieux, parce que ces deux femmes, qui ne se sont jamais rencontrées, l'une l'après-midi et l'autre le soir, ont eu les mêmes réactions. Il y avait donc vraiment quelque chose de trouble, de bizarre, dans ce lieu.
Les phénomènes de hantise, généralement, gênent ceux qui en sont les témoins ou les victimes. Mais on peut aussi, avec une certaine force de caractère et un bon sens de l'humour, on peut vivre en bonne compagnie d'un fantôme qui n'est pas un trublion. Et c'est ce qui se passe dans le château de Robert Ariane, que nous allons retrouver. Nous sommes à Cabrières-les-Avignons, pas très loin d'Avignon, à l'est d'Avignon, nord-est d'Avignon. Alors, je m'adresse à vous, Robert Ariane. Ce château que vous avez acquis vers 1979, je crois, c'est d'abord une bâtisse extraordinaire. Ce n'est pas une bâtisse du siècle dernier, elle est bien plus ancienne que cela, elle est contemporaine de l'ordre du Temple. Tout à fait. Soit vous m'avez invité ici avec des amis et j'ai couché dans une pièce à l'étage, nous la verrons tout à l'heure, et j'ai très bien dormi. Et pourtant, dans le courant de la nuit, j'ai senti une sorte de présence. J'étais bien réveillé, je me suis réveillé, je n'ai rien vu, disons une impression fugace d'une présence. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, vous m'avez dit, mais c'est sûrement Roger. Alors, Robert Ariane, ce n'est pas à la tragédienne que je m'adresse, mais c'est à la châtelaine qui n'avait pas l'air du tout surprise. Alors, y a-t-il d'autres compagnons ou entités de ce genre? D'après mes différentes observations et mes rencontres, tout à fait inattendu comme vous pensez, j'ai pu constater qu'il y avait plusieurs entités. Le terme d'entité est obligatoire parce que quelquefois l'on prévoit, on pressent une présence sans pouvoir tout de suite la cerner ou l'identifier. Elle se manifeste comme un halo, comme une sensation, comme une vibration. Ce château est effectivement un château que l'on s'accorde à dater du XIIe siècle. Mais d'après quelques sondages dans les sols de cet étage, c'est-à-dire du rez-de-chaussée, nous avons plutôt l'impression qu'il précédait. Peut-être pas de cette forme-là, mais en tout cas de quelque chose d'auparavant. Les fondations ont un appareillage qui témoignerait plutôt de la création d'une bâtisse du XIe ou voire même du Xe siècle. Alors pour la question des entités, comme ce château a beaucoup souffert, nous pouvons penser qu'il y a eu beaucoup de personnes décédées de mort naturelle ou violente ici ou dans ces murs ou à côté, en tout cas d'une façon très proche. Vous m'avez dit qu'un maçon qui était venu faire des sondages, des travaux, avait eu une aventure un peu troublante pour lui. Le maçon, enfin le carrier qui est venu s'occuper de cette cheminée et la refaire, en gardant la forme, les dimensions et exactement tout ce qu'il fallait, a eu une aventure. Il n'était absolument pas enclin à prêter attention à des entités. Il a un peu souri lorsque je lui ai dit, mais vous savez qu'il y a des revenants. Ah ah ah, stupidité, a-t-il dit. Moi, je n'y crois pas. Moi, je suis fort, c'est pas à moi qu'on fait avaler des bobards pareils. Or, il a été confronté à quelque chose, pour ne pas dire quelqu'un, et lorsqu'il m'en a fait part, il m'a fait une description si précise, et c'était au téléphone, je l'ai écouté me dire
qu'il avait vu quelqu'un sortir de la deuxième ou troisième marche de l'escalier à vis qui dessert le château, que cette chose avait traversé un mur, avait passé par une porte qui n'existe plus, qui est condamnée, qu'il était allé du côté de la cheminée et qu'il avait disparu dans un côté de la cheminée. Je lui ai dit, quel côté ? Il me dit, le côté droit. Je lui dis, très bien, alors c'est Roger. Ceci est la troisième marche d'où part Roger. C'est donc par cette porte qui est maintenant condamnée qu'apparaît Roger, qui sort de l'escalier à vis, qui franchit cet espace et qui se sauve, du reste tranquillement, dans l'angle droit de la cheminée gothique. Roger disparaît dans l'angle intérieur de la cheminée, mais tout laisse à penser que dans l'épaisseur du mur, il devait y avoir un escalier dérobé, ce qui était très fréquent à cette époque. Car, si nous passons ici et que je tape contre ce mur, je me rends compte qu'il y a un cloisonnement et non pas un mur plein. Il se pourrait très bien, nous ne l'avons pas encore expérimenté, que l'escalier se prolonge car il passe dans un souterrain qui est dans la cave. Si nous pouvons descendre, vous verrez ce souterrain, ce couloir qui mène au puits, qui lui-même mène dans un autre puits, qui relie à tout le réseau de puits de toute cette région. Vous dire pour quelle raison cette entité, qui est ma vieille connaissance, ma plus vieille connaissance ici à Cabrières, et j'ose dire mon ami, je l'ai baptisé Roger par intuition, comme ça, comme j'aurais pu l'appeler autrement. Roger est effectivement un personnage très spécial et très proche de mon cœur. Je l'ai rencontré dans les premiers temps lorsque j'ai acheté le château, dans les salles non terminées, en gravat, sans porte, sans fenêtre, avec des absences de murs à certains endroits, enfin la carrière. J'ai rencontré Roger. Je ne suis pas la seule à l'avoir vu. Mon mari, mon fils aîné, mon fils spirituel, mon fils cadet, à d'autres moments où en même temps nous avons vu passer Roger. Il s'est manifesté dans cette salle d'armes. Il s'est manifesté dans ma chambre au premier étage, une chambre qui est dans la deuxième partie. Il s'est manifesté donc dans l'escalier et au deuxième étage. C'est donc une connaissance, c'est un très bel homme, de 35 à 40 ans, avec un joli visage allongé, type espagnol, très gréco. Il a les cheveux noirs, des yeux noisettes, doux, une petite barbiche à l'espagnol de l'époque du gréco. Et il me regarde toujours très profondément. Je ne dirais pas qu'il sourit, mais on sent le sourire poindre. Il est plein de gentillesse à mon égard. Il m'observe. Et évidemment, je lui parle. Est-ce que dans le lot de vos hôtes invisibles, ou visibles quand ils le souhaitent, est-ce qu'il y a des entités féminines ? Bien entendu. Ainsi, dans l'oratoire du premier étage, nous pressentons parfaitement la présence d'une femme qui a vraisemblablement beaucoup pleuré et bien entendu prié. Elle est impalpable,
non précise, les contours ne sont pas aussi nets qu'une autre, mais peut-être est-ce la même, je ne sais pas, qui justement sévit dans la chambre où vous avez dormi. Lorsque je vous ai dit que c'était Roger, c'est parce que je ne connaissais pas encore cette dame. Cette dame que, pour notre compréhension, j'ai nommée Rosie. Elle sort donc de ce mur, elle se dirige, toujours flottant à 15 cm du sol, elle s'arrête devant le berceau de mon petit-fils, qui est là. Elle se penche, souriante, et disparaît dans ce mur, dont on voit encore le fond et la surface qui était vraisemblablement une cheminée. Les fantômes, entre guillemets, dont vous nous avez parlé sont extrêmement sympathiques, courtois, ils ne font pas peur à vos invités, à vos hôtes, ni à vous-même, ni à votre famille, ni à votre époux, ni aux enfants. Mais est-ce que tous se conduisent bien ? Non. Ah. Non. Il y en a un qui est spécialement curieux et qui se contente de monter l'escalier et de le descendre. Mais il regarde également par-dessus les épaules. Quand on lit un journal ou un livre, on sent le poids du regard de ce personnage qui vous observe. Comme il monte et il descend les escaliers, mon fils cadet l'a baptisé Yo-Yo. Il joue au Yo-Yo. Il monte et il descend. Ce monsieur a été très insolent avec un de mes fils et avec mon mari, qui m'a déclaré ne pas supporter ce monsieur, qu'il avait horreur qu'on lise le journal par-dessus son épaule. Je me rappelle que Maurice Paul m'a dit, il ne me plaît pas, il lit par-dessus mon épaule et j'aime pas ça. Exactement. Merci, Robert Ariane. Je vous en prie et je vous remercie. Je suis ravie d'avoir pu m'exprimer librement de mes chers compagnons du passé. Il y a plusieurs exemples connus de phénomènes de hantise, d'apparition fantomale, où l'on voit l'entité marcher, parfois flotter d'ailleurs, mais ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas au niveau de notre sol à nous que se manifeste cette entité. Elle flotte parfois nettement au-dessus, ou parfois au-dessous, de sorte qu'on a l'impression que l'entité marche au niveau de ses genoux. Des recherches ont été faites dans ces lieux, et l'on s'est aperçu que, 2-3 siècles auparavant, le parquet avait été soit rehaussé, soit abaissé. Et ça, les gens qui avaient fait cette observation ne le connaissaient pas, donc ils n'ont pas pu tricher. Il existe plusieurs théories tentant, s'efforçant d'expliquer le domaine des fantômes. Il y a même une théorie rationaliste qui dit que ça n'existe pas. Évidemment, la secte rationaliste s'évite ainsi de réfléchir. Il y a une théorie qui est séduisante, bien qu'elle me laisse un peu sur ma faim, personnellement. C'est celle selon laquelle les murs pourraient s'imprégner de scènes généralement violentes, de scènes liées à un drame. Et les murs, au gré du temps, restitueraient ces imprégnations, ces infestations, diraient les démonologues, comme une plaque photographique dans son bain révélateur fait sortir une image, ou une bande magnétique repassée sur la tête de lecture fait entendre des bruits, une conversation. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Je crois que c'est vrai, mais quand il y a des effets physiques qui débordent dans notre présent, je ne suis pas sûr que les murs sont capables de restituer des effets physiques. Nous sommes allés dans les Ardennes, à Aiglemont, et là j'ai retrouvé un excellent ami à moi, Jean-Michel Ligeron, qui est ufologue, mais qui se passionne aussi pour la parapsychologie et pour les lieux hantés. Et il a fait une enquête tout à fait remarquable sur un lieu, sur une ferme bien modeste, où se manifestaient les poltergeists, c'est-à-dire des phénomènes liés
dit-on, à des esprits frappeurs. Lorsqu'il me fut donné de prendre connaissance des faits qui se sont produits au cours de l'année 1987, je n'ai pas été informé directement. Je l'ai su par, disons, quelques flashs de télévision régionale, pour ne pas nommer FR3 Champagne-Ardenne. À la suite de quoi, comme dans le cas de la plupart de mes enquêtes, je me suis dépêché de prendre mes renseignements et de prendre contact avec, disons, la propriétaire principale des lieux. Donc je m'y suis transporté le 13 juin 1987. J'étais accompagné par un de mes collègues ufologues également, qui m'a assisté plus précisément au cours de cette enquête, de manière à pouvoir noter, disons, des choses ou poser des questions qui auraient pu m'échapper, comme cela peut arriver dans la plupart des cas. Donc finalement, que s'est-il produit dans ce petit village, ou tout au moins dans la ferme, véritablement à l'écart, situé derrière un groupe ou un rideau d'arbres, ce qui la rendait d'autant plus étrange, à propos justement de tous les phénomènes qui s'y sont produits. Donc j'ai rencontré, en définitive, la dame, une dame d'un certain âge, âgée, sa fille en l'absence de son petit-fils qui, lui, est absent, disons, et probablement fatigué du nombre d'interviews qu'il avait dû subir vu son jeune âge. Il avait 12 ans à l'époque. Sa grand-mère avait 62 ans et sa mère 37 ans. Bien, alors, les faits sont terriblement compliqués, chronologiquement parlant, je veux dire, hein. À savoir que déjà dès le départ, dans la pièce principale où ces gens la vivent, qui sert de salle à manger un peu comme beaucoup de personnes vivent à la campagne, on y vit, on y mange, on y écoute la radio, il n'y a pas de télévision chez ces gens-là, comme par hasard, les phénomènes ont commencé par la chute d'un portrait de l'aïeule, qui elle-même était plus ou moins sensible à la pratique des tables tournantes. J'ai d'ailleurs noté le jour de mon enquête, de cette enquête préliminaire, l'œil relativement profond et noir de la grand-mère, sans vouloir pour autant lui attribuer quelconque pouvoir de sorcellerie, hein, ou autre. N'empêche que ce portrait-là est tombé plusieurs fois, régulièrement, pratiquement à la même heure, sur le sol carrelé de la pièce principale. En présence de l'enfant. En présence de l'enfant, naturellement. Bon. Aucun autre témoin, si ce n'est que la mère et le fils, n'ont pu assister à ce genre de phénomène. Alors, à la suite de quoi se sont enchaînées toute une série de catastrophes considérées comme telles par les personnes qui vivaient ces choses, telles que la valse d'objets, d'ustensiles, appelons-les comme ça, de cuisine, qui sortaient très exactement d'une, comment appelle-t-on ça, Jimmy, je m'excuse, d'une boîte dans laquelle on range la vaisselle en principe, une ménagère, voilà, très précisément, ces ustensiles-là provenaient pour la plupart de cette ménagère enfouie sous une pile de linge, dans une armoire fermée à clé, je précise, dans une salle, dans une pièce, excusez-moi, qui se trouvait ailleurs, porte fermée à clé également, de la porte, qui communiquait avec la pièce principale dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui venait se ficher à droite et à gauche, dans un mur de torchis recouvert de papier peint, au nid à la barbe, en somme, des témoins qui en restaient médusés. Il y a eu aussi tout ce qui s'est passé à l'extérieur de la maison, à savoir un vélo qui roulait tout seul, la niche du chien, le chien qui s'enfuit de sa niche, la niche qui s'est levée, qui changeait de place, qui tournoyait sur elle-même, des bûches qui roulaient, qui étaient projetées après les principaux témoins, si je puis dire. Ce qui fait qu'en résumé, enfin je ne peux pas résumer une chose pareille en quelques minutes, ça n'est absolument pas possible,
on se trouve dans un cas, d'abord en présence d'un jeune homme à l'époque âgé de 12 ans, qui vit près de sa grand-mère et de sa mère. Jean-Michel, les gens, on sait d'expérience et de longue date que souvent des adolescents prépubères des deux sexes d'ailleurs, sont mêlés, mais mêlés entre guillemets, parce qu'il n'est pas question de voir des complices. Non, ce sont des catalyseurs qui malheureusement subissent ces choses-là et ça ne leur fait pas plaisir. Et notamment, on peut dire que en certains cas, les phénomènes de type paranormaux se sont produits pas forcément en présence de jeunes, mais dans des en présence de personnes âgées. Enfin, je veux dire, il y a peut-être quelque chose qui pourrait éventuellement se créer entre un vieillard ou une personne d'un âge avancé et une jeune personne. C'est-à-dire que on a souvent dit que les murs avaient de la mémoire, on parle de la mémoire des murs, mais on peut dire aussi que il y a chez les personnes âgées, il y a quelque chose aussi qui peut exister au niveau du cerveau et qui pourrait servir, c'est peut-être assez compliqué à expliquer, mais il pourrait s'établir une relation entre le milieu, mais la personne d'un certain âge et un jeune enfant. Alors ce garçon de 12 ans qui a vécu ces phénomènes, qui en a pâti aussi, parce qu'il faut le dire, toi tu es un enquêteur consciencieux, tu cherches à ne pas traumatiser le témoin. Non. On ne peut pas dire la même chose de toutes sortes de médias. C'est-à-dire que les médias, naturellement, qu'il s'agisse de médias journalistiques, je précise, ou éventuellement télévisés, hein, naturellement, mais j'insiste plus sur le terme médiatique, hein, presse, plus précisément la presse, à la fâcheuse tendance d'exploiter le phénomène, c'est-à-dire les témoins, on peut les englober dans le phénomène, puisque ça fait un ensemble, hein, de façon outrageuse, si je puis dire. C'est-à-dire, d'abord, de leur rendre visite sans prendre de précautions élémentaires, ne pas les contacter pour se pointer chez eux, effectuer leur travail de journaliste en principe, normalement. Mais ce qui est déplorable, comme ça m'est arrivé de le constater, en de nombreuses circonstances, je ne parle pas précisément de cette affaire-là, même dans le cas de phénomènes de type OVNI, hein, où l'on conclut par des choses qui sont tout à fait diffamantes. Jean-Michel Ligeron, qui a eu la gentillesse, pendant que nous étions en Belgique et en Hollande, de me dire, bon, ben, je vais voir les témoins, ils te recevront, tu es un type sérieux, tu ne vas pas te moquer d'eux. Ces gens, après avoir accepté, ont réfléchi et ils ont refusé que nous venions les interroger devant la caméra. Je les comprends, ils étaient traumatisés. Je voudrais effectuer un petit rapprochement très rapidement avec un cas sur lequel j'avais enquêté dans le Rethelois en 1982, où depuis cette époque, alors que la propriétaire, une dame âgée, est décédée, la maison est devenue invendable, elle ne sera jamais vendue probablement, à cause d'une conclusion hâtive, justement, donnée par voie de presse, qui signifiait en ces termes approximatifs, hein, je n'ai pas ça en mémoire précise, hein, qu'on apprendra tôt ou tard qu'il s'agissait d'un coup monté, comme si ces gens-là souhaitaient se faire de la publicité, alors qu'ils ne demandent rien, qu'ils n'ont jamais souhaité participer à ce genre de phénomène qui les ennuie, qui complique leur existence, qui ont du mal à vivre ça avant, pendant et après, et qui continuent, je dirais presque sans hésitation, à utiliser le mot d'être agressé. Je suis bien d'accord avec Jean-Michel Ligeron, il ne faut pas se moquer des gens qui sont victimes de phénomènes de hantise. Il y a aussi un problème qui est extrêmement gênant. C'est celui des charlatans qui, entendant parler d'un phénomène de hantise, se précipitent auprès de ces gens qui sont dans le malheur, dans l'angoisse, et qui lui disent, moyennant une rétribution modeste, quelques milliers de francs, pour le moins, je vais vous enlever ces fantômes, etc., je vais exorciser, et avec beaucoup de simagrées, ils font un rituel, et s'il n'y a plus de fantômes, bon, évidemment, ils n'ont pas de peine à les chasser. Je ne citerai pas l'endroit parce que les personnes continuent d'habiter ce lieu. J'avais fait une enquête dans un lieu tout à fait hanté. Et l'un de ces guignols de charlatans
s'était proposé de renvoyer les fantômes à leur demeure éternelle pour qu'ils ne viennent plus hanter ce lieu. Alors, le bonhomme avait fait un rituel avec de l'eau bénite, avec des machins, etc. Il me paraissait parfaitement ridicule parce que ce n'était pas un prêtre. Et brusquement, des phénomènes paranormaux extrêmement violents, des déplacements d'objets, des bouteilles qui sautaient contre les murs, et un plat de métal, une cocotte, je ne me rappelle plus, a sauté d'une étagère. Alors je vous garantis que le chasseur de fantômes, il a pris ses jambes à son cou, il a oublié ce matériel et je crois qu'il court encore. Et il ne faut pas se méprendre. Ce n'est pas toujours dans les hauts lieux, dans les magnifiques châteaux, dans les demeures anciennes que se manifestent les fantômes. J'ai enquêté dans la banlieue d'une petite ville du Midi sur un phénomène de hantise. C'était une HLM et je m'y suis rendu sous l'appel affolé d'une dame qui vivait là avec son petit garçon. Et je suis arrivé, elle m'a montré dans le couloir, dans le hall d'entrée, une bouteille de brillantine qui avait été jetée au sol et la brillantine s'était répandue sur le sol. Cette dame me montre un grand S qui avait été dessiné sur le mur. Et elle m'explique qu'elle vit seule avec son enfant qui a 7 ou 8 ans et qui est présentement dans la salle de bain. Alors, je lui dis, faites venir le gamin, nous allons nous installer dans le living. Et je bavarde un peu avec l'enfant qui était intimidé devant ce bonhomme qu'il ne connaissait pas. Et j'essaie de gagner un peu sa confiance, je plaisante, je lui parle de l'école. Alors je lui demande s'il éprouve quelque chose de particulier pendant que ces phénomènes se produisent. Il me dit non, peut-être une certaine anxiété. Alors je crois comprendre aussi que cet enfant souffrait du fait que sa mère semblait séparée de son mari, donc du père de l'enfant. Et nous parlions et de la porte de la salle de bain qui était entrouverte jaillit un tube de dentifrice ouvert qui tombe sur le sol et un peu de dentifrice s'est mis à couler. Bon, l'enfant n'était pas dans la salle de bain, il était avec nous en train de parler. J'avais amené avec moi Maurice, je ne dirai pas son nom, qui est un vieil ami à moi, qui pratique un peu l'exorcisme, je précise bien, de façon bénévole. Et voyant cette femme très inquiète, chagrinée, et avec de la peur par-dessus cette inquiétude, je lui dis, si vous voulez, mon ami Maurice, peut faire quelque chose pour tenter d'éliminer ces tracasseries. Elle m'a dit, mon Dieu, je vous en supplie, faites-le. Alors Maurice a récité quelques prières particulières et nous avons encouragé cette dame. Nous sommes partis et le lendemain soir ou le surlendemain soir, cette dame m'a téléphoné, elle m'a dit, écoutez, c'est fantastique, nous vivons dans le calme et nous pouvons de nouveau dormir. Est-ce que les prières ont suffi? Est-ce que le fait que deux étrangers débarquent dans cette maison, ces étrangers ont-ils chassé cette entité? Je ne sais pas. L'important était que les phénomènes de hantise ont été stoppés. Et cette femme et cet enfant ont pu ensuite vivre en paix. Alors après ces quelques exemples de hantise, je voudrais parler d'un cas plus curieux. À l'Orgue dans le Var, habitait Rob Julien. Il n'habitait pas n'importe où, il habitait une ancienne commanderie templière dont on trouve la trace vers 1150-1200. Rob Julien était un peintre tout à fait remarquable, nous allons le voir. C'était un homme athée, mais avec un cœur gros comme une maison, un type adorable, qui m'avait été présenté par mon confrère et ami Guitarade. Alors nous allons, non pas le retrouver, il n'est plus de ce monde, mais nous allons voir Marie Julien, son épouse, et nous allons voir tout ce qui s'est passé dans les murs de cette demeure très étrange.
Nous sommes dans la maison de Rob Julien, qui était, on doit malheureusement employer le passé, Rob, ton époux, qui peint ces toiles si extraordinaires, que nous allons voir au gré de, oui, de notre entretien, n'a pas commencé à peindre à l'ordre. À non. C'était le plus jeune peintre d'Aix-en-Provence, c'est l'enfant prodige de la ville. Il peignait, au début il était mystique, ça a impressionné son père qui lui a fait faire des natures mortes, des paysages comme tous les autres peintres. Et après on a été sur Nice, alors là il peignait sur la prostitution. C'était des toiles à message aussi. Et il ne croyait plus en Dieu, ni au Christ, en rien du tout. Et arrivé ici, il a eu un flash sur le Christ en croix. Et puis il m'a dit, mais c'est idiot, puisque je ne crois plus en Christ, je ne vois pas pourquoi je l'ai vu. Et puis quelques jours après, il a vu une vierge, et après des soldats religieux. Mais comme il n'avait pas tellement d'instructions, il ne savait pas du tout ce que c'était, et ce sont des gens de l'extérieur qui lui ont dit, ce sont des Templiers. Alors, tout est venu à partir de ce moment-là. Alors ça date de 16 ans à peu près. Son œuvre majeure, c'est oui. Ici qu'il l'a peinte. Ah oui. C'est oui, ça. Oui. Alors, nous sommes à côté d'un personnage tout à fait impressionnant. Oui. C'est un Templier qu'il a fait lui-même un aussi. Il a peint combien de toiles? Mais il en faisait à peu près une centaine par an. Alors, 16 ans... mais c'est... C'est-à-dire que 2 ans avant sa mort, il a écrit 2 bouquins. Donc, il peignait beaucoup moins. Dans ce lieu, plus maintenant apparemment, mais avant, se sont produits des phénomènes paranormaux. Là, on a un puits de 8 à 9 mètres de profondeur, d'après tous les radiesthésistes. Et là, mon mari a mis une sonde de 4,50 m, parce que le plafond fait 4,50 m, et il a enfoncé cette barre dans ce puits. Mais ça rentre très très bien, il n'y a pas de pierre, il n'y a rien, c'est une terre fine, un peu comme du talc ou de la chaux, on ne sait pas ce que c'est. Et là, tous les radiesthésistes ont dit que c'est un puits. Bon, alors c'est là que mon lit est à la verticale de ce puits, et c'est là qu'à minuit, un jour, alors la date, je ne m'en souviens pas, mais vers les minuit, en plein été, on a entendu des chants grégoriens, tous les deux. Voilà. Après... Alors je précise, Marie, oui, pour les amis qui nous écoutent, oui, que ce n'est pas une HLM. Hein? Non. C'est un site avec des murs-mètres énormes. Il est hors de question d'imaginer, oui, que c'est le voisin ou la voisine qui, à minuit, écoutait les chants grégoriens. Non. Ça, c'est exclu. Puis en plus, les voisins d'à côté n'écouteraient pas ce genre de musique, de chants non plus. Je ne pense pas, non. Mais il aurait voulu faire des fouilles, mais il a toujours eu des rêves pour l'empêcher de faire. Des rêves prémonitoires qui l'ont empêché, qui l'ont déconseillé, parce qu'il avait peur que la maison devienne négative, alors qu'elle est très positive, elle attire les gens. Et c'est dans cette maison qu'il voyait tous ses flashs. Parce qu'il ne voyait pas de flash à Nice ou ailleurs, hein. C'est ici, à l'orgue. Il semble que c'est, donc, d'après ce que tu viens de nous dire, oui, que c'est bien ici qu'il a eu une révélation, oui, hein, qu'il a... changé, oui, de athée qu'il était, oui, il est devenu croyant. Pas pratiquant. Roi Julien, tout athée qu'il était, devint croyant. Cette métamorphose, je crois que c'est la résultante d'une osmose entre lui, bien sûr, et son environnement qui parlait, qui était imprégné, et il a su tirer profit de ses messages venus du passé, et cela l'a aidé dans son art. Et toi et Robert avez vécu certains types de phénomènes, et ici même, là où nous sommes maintenant, aujourd'hui, vous avez vécu quelque chose d'insolite. Veux-tu nous dire comment ça s'est passé? Ben oui, il y avait mon mari assis là, il y a peut-être 5-6 ans, je ne sais pas la date exacte, et il pleuvait dans le village, et à un moment donné, il me dit, il pleut, mais on est très bien dans notre maison, on est à l'abri. Et à cette oreille qui ne marche pas du tout, j'ai entendu, il va pleuvoir dans ta maison, il va pleuvoir dans ta maison. Et j'ai pas eu le temps de prévenir mon mari, et on a pris comme un seau d'eau au-dessus de cette lucarne qui nous est tombée dessus. Et l'eau est tombée en arrondi, et il est resté 8 à 10 jours, ça n'a pas séché. Mais Rob a voulu vérifier. Oui, alors il est monté au-dessus, parce qu'au-dessus c'est son atelier de peinture d'été.
Il est monté, comme au-dessus il y a une lucarne, il a pensé que la lucarne était restée ouverte. Et la lucarne était fermée, il y avait une toile d'araignée dessous et aucune gouttelette. Et il y a un lino aussi, sous le lino c'était tout sec, archi sec. Alors on ne comprend pas du tout d'où cette eau est arrivée. Alors sans préjuger de la nature de ces phénomènes, qui ressemblent à certains phénomènes de hantise, bon, toi tu as vécu ça, ton époux aussi, vous avez eu, tu m'as dit, 54 cas, ce qui est assez impressionnant. Quelle sensation as-tu retirée? C'est négatif, positif? Pour moi, c'est pas négatif, je pense pas. Parce que sinon, j'aurais pas pu tenir ici. Parce que comme je ressens les mauvaises maisons, j'aurais pas pu tenir. Et surtout que maintenant que mon mari est décédé, j'aurais pas tenu le coup. Hein. Je pense pas. Hein. Moi, je peux dire que... Parce que tous les gens qui viennent chez nous, ils repartent à 9h du soir, ils sont bien, ils sont heureux. Je pense pas que ce soit négatif, pas du tout. Puis ils peignent que des Christes, des Vierges. Il n'a jamais peint le mal, alors non, je pense pas. Ah, c'est aussi l'impression que j'ai retirée. Ouais. Nous sommes venus avec l'IMSA, nous étions 70 ou 80 personnes. Ouais. Tout le monde ne tarissait pas d'éloges devant ces toiles extraordinaires et repartait gonflé, entre guillemets, régénéré, apaisé. Ouais. Oui, parce qu'il y en a quand ils ont des soucis, ils me disent, on repart, on est chargé comme un peu comme une batterie que tu rechargerais, tu vois. Voilà, ça fait un peu ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce lieu, évidemment chargé, au cours des siècles se sont manifestés certains phénomènes, probablement de grands esprits, ils sont venus, ils ont vécu, et puis c'est un peu normal que Rob Julien, avec ce talent extraordinaire, y ait vécu, y ait donné l'empreinte de son âme, qui était une âme en paix. Mmh. Hein? Oh, ouais. Moi je m'appelle d'un homme adorable, j'ai jamais entendu quelqu'un dire du mal de Rob. Je crois que c'est un peu encourageant, et de savoir qu'on peut venir aussi non seulement admirer son talent, son message, sa lumière, mais aussi se recharger. On peut, je crois, parler d'une autre dimension, d'un univers parallèle, d'interférence entre un monde autre que le nôtre, tout aussi matériel, mais à un niveau vibratoire différent. Et peut-être que l'interface qui sépare ces deux mondes, ces deux dimensions, sert de filtre révélateur. Et c'est peut-être des gens, tout comme nous, qui de temps à autre interfèrent dans notre dimension, et on les prend pour des fantômes venus d'un très lointain passé. L'explication est peut-être plus compliquée encore. Il y a cela, il y a aussi des gens, effectivement, des entités, entre guillemets, qui viennent d'un très lointain passé. Il y a aussi quelque chose de beaucoup plus mystérieux. Voici, peut-être 25-30 ans, aux États-Unis, une famille, le mari, l'épouse et les deux enfants, regardent la télévision, alors on montre un lit sur lequel gît un monsieur âgé, les mains sur l'abdomen. Alors ils disent, bon, c'est encore une publicité pour un embaumeur, vous connaissez le slogan, mourez, nous ferons le reste. Et Jean de Chêne, c'est la même image, il change encore de chaîne. Et sur toutes les chaînes, c'était la même image. Ils sont quand même surpris. Ils interrogent les voisins. Les voisins ont des programmes tout à fait normaux, ils reviennent chez eux. Et madame, enfin l'épouse de ce monsieur, pousse un cri. Car elle dit à son mari, mais regarde, c'est mon père. Mon père sur son lit de mort. Son père, George Schutt, c'était son nom, était apparu. Alors on a fait venir la police. On a fait venir des techniciens de la télévision, parce que ça a duré, je crois, 3 semaines. Et chaque fois, l'image persistait un peu moins. La première fois, elle a persisté pendant près d'une heure. La seconde fois, pendant 40 minutes. Après 30. Et ça s'est amenuisé dans le temps. On n'a jamais pu expliquer comment ce phénomène s'était produit. Dans la très abondante littérature consacrée aux phénomènes paranormaux, aux phénomènes de hantise, aux lieux hantés, j'ai sélectionné 3 titres. Les fameuses maisons hantées de Flammarion aux éditions J'ai lu, qui est une sorte de bible des apparitions. De Jean Prieur, dans le livre de poche, les morts ont donné signe de vie. Et enfin,
une encyclopédie des fantômes excellente de Daniel Cohen aux éditions Robert Laffont dans les fameuses énigmes de l'univers. Je signale enfin la réédition du livre du paranormal que j'ai publié il y a une vingtaine d'années. Il paraîtra probablement en 1993 aux éditions Vaugirard dans sa collection de documents. Je voudrais dire quand même que c'est rassurant. Nous avons vu dans la cassette sur les vies antérieures, avec Paco Corabane et d'autres intervenants, que la vie existait après la vie. Ces manifestations de hantise sont un appui supplémentaire à cette certitude. Alors je crois que c'est rassurant. Je crois que la mort, ce n'est pas la fin. C'est la fin d'une étape et c'est la transition vers une autre qui, elle, conduit à la lumière.